Et là, je me rappelle du métier qui m'a le plus énervé. Vous savez, au Congo, on a eu un vrai problème avec les passeports. Donc, pour arriver ici, c'était compliqué. Je devais aller dans des banques, je devais aller partout. Les gars qui m'ont fait les plus chier, ce ne sont pas les banquiers. Je suis arrivé dans les ambassades. Ce ne sont pas les ambassadeurs, c'était les vigiles. Aïe! Les gars, dans les ils ont la colère de qui? Pourquoi? Tu vas en banque, le gars croit que c'est lui qui va te payer avec son argent. Tu arrives devant la... Il te pose des questions. Oui, messieurs, vous voulez quoi? Je dis, je viens en banque, je cherche de l'argent. Vous voulez l'argent pourquoi? Combien? Et le vigile qui t'énerve, c'est le vigile de l'ambassade de France. Il croit qu'il est français. Il croit que c'est lui qui va te donner le visa. Alors que ça fait 30 ans, il est là. Parfois, il n'ira jamais en France. Déjà, quand le gars, vous dites ici whiteisé, non? Parce qu'il travaille à l'ambassade de France. Alors, oui, monsieur, vous voulez quoi? Vous désirez? Ah, c'est pour laisser un dossier. Ah, est-ce que votre dossier est au complet? J'ai dit, monsieur, c'est pas vous qui posez ce genre de questions, c'est lui qui est à l'intérieur. Ah non, moi, j'ai vu beaucoup de gens partir à cause de ça. J'ai dit, mais oui, mais pourquoi vous, vous n'êtes pas parti avec eux? Tu les as laissés partir. Donc, toi, tu es là, tu es comme la pancarte qui envoie là. C'est là-bas la route de la France et toi, tu restes là. Le gars qui t'énerve alors, c'est celui qui croit être le somme de tous les vigiles. Le vigile de l'ambassade des États-Unis. Lui, il parle même anglais. Quand tu arrives, il faut dire, excusez-moi, monsieur, you're in English, please. Je veux, I said, in English. OK, but I want, tu vois, non, vous êtes un pays bilingue. Bon, quelqu'un m'a dit, il n'y a que le Cameroun qui est bilingue. Les Camerounais ne sont pas bilingues. C'est, ça m'a choqué. Il dit, but I want, non, I said in English. Mais le connard, c'est celui qui habite derrière chez toi, c'est ton voisin. Vous voyez dans le quartier, t'appelles, oh, président, c'est comment? Je dis, oh, va te faire. Après, il me dit, mais paye-moi une bière. In English, please. And your president is Joe Biden, not me. Et là, là, celui qui m'a fait le plus chier, vous n'allez pas croire, c'est le vigile de l'ambassade du Cameroun. Dès j'ai été choqué. J'arrive, je viens lui expliquer, alors mon frère, tu veux quoi? Il dit, je veux rencontrer l'ambassadeur. Toi, un maigre comme toi, tu veux voir l'ambassadeur, pourquoi? J'ai une situation, je dois aller à l'ambassade, je dois aller à Douala pour un festival. Un festival quoi? Ben, un festival, moi j'ai rendez-vous, voici mon passeport. Mon petit, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comment? On ne peut pas voir l'ambassadeur. Mais voici sa carte de visite. J'aimerais... Non, je t'ai dit que ça ne se passe pas comme ça. Je voulais mettre un pied. Hé, tu sais que ton pied rentre déjà dans le Cameroun. Tu vas avoir des problèmes diplomatiques. Et je suis lancé le pied. Je... Il dit, quel problème? Il dit, attention mon petit. Bon, parle bien. Je dis, comment ça parle bien? Je parle, il dit, parle bien. J'ai vraiment rendez-vous avec « parle bien ». J'ai payé pour rentrer dans l'ambassade du Cameroun. Et vous savez pas, vous savez, le Congolais n'a pas besoin de visa pour venir au Cameroun. C'était juste un laissez-passer. Mais j'ai payé le prix du visa. Pas à la caisse, chez le vigile. Et là, le top du top, je sais pas si ça se passe ici chez nous, on a aussi des vigiles dans des cimetières. Je sais pas ce qu'ils gardent là-bas, en fait. Ils vigilent quoi? Je sais pas si c'est un, si c'est un verbe. Il vigile quoi? Il vigile qui? Les eaux. Il a déjà séparé une bagarre de mort, je ne sais pas, un jour. Non, mais... Alors le boulot était chaud. Ah, c'était chaud, hein, oui. Il y a eu un cadavre, un autre cadavre qui sont battus, j'ai séparé. Qu'est-ce qui se passe avec ce genre de truc?